Dieu des cieux me dit de vous dire d'être tranquille. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Don't be afraid. Quand vous allez rentrer à Bertois, quand vous partez, voici le signe que Dieu vous donne. Toutes les personnes autour de vous, Brami Anakrosnao, toutes les personnes autour de vous qui sont parties faire du mal contre vous, l'Éternel va les exposer. Des malheurs vont les exposer. Malheur après malheur. Malheur après malheur. Malheur après malheur. Amen. Le prophète avait dit tout le monde qui était à l'origine de mon problème. Vous allez connaître que vous avez croisé un prophète. D'abord, la grande surprise, c'est que avant même l'arrivée du ministre, mon commandant de compagnie qui me mettait les bâtons dans le rôle, il est relevé, on l'a remplacé. Le président du tribunal qui avait prononcé la sentence pour moi, on l'a renvoyé à Yaoundé. Attendez, j'ai vu quelqu'un qu'on appelle Eric. Hein? J'ai vu quelqu'un qu'on appelle Eric. Vous avez connu Eric? Je connais Eric, papa. Il vous aimait? C'est un ami d'enfance. Hein? Est-ce qu'il vous aimait? Oui. Il m'a jamais déclaré, papa. Moi. Eric vous a aimé à l'école. Oui. Même quand vous étiez à l'école, il vous aimait. Oui. Son comportement, il vous a aimé. Oui. Vous comprenez? Oui. Il vous a aimé. Et jusqu'à présent, il vous aime. Je vous dis la vérité. Moi, je vous déclare alors qu'il ne veut pas déclarer. Et après, vous avez parlé d'un certain Eric. Et Eric, c'était qui? Je fais comprendre que Eric m'aimait. Mais je me souviens qu'au début, quand il m'appelait, quand il écrivait, il m'avait dit le premier message, j'étais cherché. Ça vous a fait quoi? J'ai vu quelqu'un qu'on appelait aussi Tabo. Ou c'est Tabo? Tamo ou Tabo? Tamo? Oui. Non, c'est Simo. Non, non, laissez Simo, c'est pas Simo. Laissez, je vous aide. Vous m'aviez parlé de Wambo. Oui. J'ai dit que je ne connaissais pas Wambo. Oui. Mais à la maison, j'ai vu le numéro de Wambo dans mon calepin. Vous avez vu le numéro de Wambo dans mon calepin. Dans le téléphone, dans le calepin. Yes. Donc vous confirmez ce que j'ai dit. Donc Adamo existe. Je suis en train d'inventer. Donc c'est le frère de Njoya. Papa. C'est des personnes qui sont vraies. Même. D'accord. Ils ont des problèmes. Oui, papa. C'est pourquoi? Problème de terrain. Problème de terrain. Oui, papa. Problème de... Mais ce n'est pas le seul problème. Ce n'est même pas le vrai problème là-bas. That's not even the true issue. Ils ont un autre problème que vous ne connaissez pas. Il y a un autre problème que vous ne connaissez pas. It's another problem that you don't know. Il n'y a qu'Adamu, Joya et moi qui connaissons ça. Donnez le nom de votre mari et de son petit frère. Oui, petit frère Adamou. Oui. Il a dit que oui, le petit frère de mon mari s'appelle Adamou. Et vous savez dit qu'il ne s'entendait pas. Il ne s'entendait pas. Et c'était un frère, il ne s'entendait pas. Pas de pina, il ne se savait même pas. Mais son petit frère, même. Paul, si j'ai vu ce Paul-là. Ses amis s'appellent Paul-là. Hein? Son nom, c'est Paul. Mais les gens l'appellent Paul-là, ses amis. Maintenant, je prie que le Dieu des cieux fasse qu'il vous appelle avec son numéro orange. Amen. Il a un numéro orange. Hein? Il a un numéro orange. Il a un numéro qui commence par 699. Hein? Il a un numéro qui commence par 699. 99. Zéro quelque chose. Oui. Oui. Quand je suis rentré, en fait, il a commencé à regarder mes statuts. Oui. Et après, une semaine après,
semaine, vous avez précisé l'autre semaine qui venait. En fait, cette semaine, oui. Il m'a écrit, il m'a fait un SMS. Paul vous a écrit. Oui, papa, oui. Par WhatsApp. Maintenant, la prophétie a dit qu'il allait vous contacter.